Deuxième prise. Parce que j'ai pas allumé mon fucking micro. C'est la merde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, primo, je suis désolée de la lumière, j'ai mis mes éclairages, mais dehors il neige beaucoup, c'est tout couvert, du coup c'est un temps pourri quoi, un camp d'hiver. Ok. Deuxièmement, je suis un peu malade, donc si j'ai une voix bizarre durant tout le long de la vidéo, bah je suis désolée, mais j'ai grave mal à la gorge. Et c'est tout, voilà. Donc déjà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon nouvel an, parce que celle-là c'est la première vidéo de 2017 que je tourne, parce que nous sommes le 2. Et voilà, et du coup je vais vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai eu pour Noël, là, la semaine dernière. Alors honnêtement, je ne vois aucun intérêt à cette vidéo. Aucun, c'est inintéressant, on s'en fout de ce que les gens ont eu pour Noël. Mais c'est comme ça, vous avez été plus de la moitié à me la demander. Donc, pourquoi pas, écoutez, hein. En tout cas, si vous m'avez demandé mes cadeaux de Noël par rapport à la FIMO, c'est raté. Mais vous allez comprendre pourquoi. Bon, sinon, sérieusement, pour les curieux, vous pouvez rester. Pour ceux qui n'ont rien à foutre, vous pouvez partir. Voilà. Et du coup, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire, malgré que je trouve qu'elle sert absolument à rien. Et juste avant, je tiens à préciser, comme chaque année en fait, que j'ai une famille très nombreuse. Du coup, j'ai eu beaucoup de trucs. Voilà. Donc, nous allons commencer par ma famille la plus proche. Donc, ma grand-mère, mes parents et mon frère. Donc, de la part de... ma grand-mère, je sais pas si je le dis chaque année, mais chaque année en fait, mon frère et moi, on a des choses pour notre futur appartement quand nous partirons définitivement de chez nos parents. Voilà, pour nous aider, tout simplement. Voilà. Donc cette année, j'ai eu tout un set de toilettes, donc des serviettes de toilettes, des gants de toilettes, etc. Et des draps, ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, c'est des draps pour quand on aménagera tout seul. Voilà. Donc ça, ce n'est absolument pas intéressant. Sinon, deuxième cadeau. De la part de mes parents, j'ai eu une autre valise. C'est déjà la troisième que mes parents m'offrent. Mais j'aime les valises, donc ça me pose pas de problème. C'est peut-être un signe, hein, qui sait. Ensuite, le meilleur cadeau de tous les temps que je voulais depuis un an et demi. Cette magnifique enceinte de la part de mon frère. Voilà, mon frère m'a enfin offert ma JBL. Enfin, mon enfant ouvert ma JBL, comme si ça fait depuis 3 ans que je lui demande. Non, sérieusement, ça fait depuis très longtemps que je voulais cette putain de JBL. Et mon frère me l'a offert. Mon frère, il est pas si en mousse que ça, finalement. Voilà, mais si je la voulais, c'est... il y a tout le monde qui veut des Bose. Moi, je veux des JBL. Parce qu'elle fait de la lumière. Attendez, je vais vous éteindre, peut-être que vous verrez mieux. Elle fait beaucoup de lumière. Et c'est pour ça que je l'aime et que je la voulais. Parce que vos Bose là, que tout le monde a, ça fait pas de lumière, c'est pas kiffant. Moi, ça fait de la lumière, c'est kiffant. Enfin bref, non, sérieusement, chacun ses goûts. Je critique absolument personne qui ont des Bose. Voilà, mais juste que je voulais cette JBL pour toute la lumière qu'ils font. En plus, il y a un capteur ici, en deux coins clairs. Si vous appuyez sur le bouton et que vous pointez sur une couleur, et elle s'allume de la couleur que vous avez pointé. Je sais pas si c'est français, mais vous avez compris, c'est le principal. Donc voilà, et c'est mon bébé, et j'avoue que j'ai dormi une nuit avec elle. Sinon, autre cadeau de mes parents aussi, que je ne pourrais pas vous montrer, tout simplement parce que ils m'ont dit « Tu veux quoi pour Noël ?» Du coup, j'aurais dit que je voulais de nouveaux pneus et de nouvelles plaques d'immatriculation. Pourquoi? Parce que en novembre, j'ai eu un problème de pneus, donc du coup j'ai changé deux pneus, et au garage ils m'ont dit « Ah, tiens, faudrait que tu changes les deux autres avant 2017. » Du coup, j'ai demandé à mes parents les deux pneus qu'il fallait que je change. Et des plaques d'immatriculation parce que j'ai acheté ma voiture en mars. Et j'ai acheté dans le 78. Et étant donné que mes parents habitent dans le 77 et que du coup ma voiture reste chez mes parents dans le 77, je voulais avoir le petit 77. Du coup, j'ai jamais eu le temps de m'en occuper en fait. Du coup, ils m'ont acheté mes plaques avec mes pneus. Mais c'est utile, hein. C'est le cadeau que je voulais. Ensuite, de la part de ma belle-sœur. Donc, de la copine de mon frère, tu suis? Ok. Elle m'a offert un parfum de Coco Chanel. C'est Mademoiselle le nom. Alors, j'y connais absolument rien en parfum. J'y connais absolument rien en maquillage ou tout ce qui concerne la beauté en général. Donc, il me semble que c'est Mademoiselle parce qu'il y a marqué Mademoiselle dessus. Mais bon, je sais pas, ça se trouve, je me gourre complètement. Mais je m'en fous. J'y connais absolument rien en marque de maquillage, de parfum ou tout ce qui s'ensuit. Donc, vous me pardonnerez. Il sent super bon. Voilà, il est doux, il pique pas le nez, je trouve, parce qu'il y a des parfums où... tu les sens en 3 km. Voilà, mais celui-là il est doux vraiment.
Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que je mets que des trucs doux qui sentent pas fort. Ensuite, de la part d'Alex. Donc Alex, ma meilleure amie. Si vous avez suivi la vidéo qui est sortie il y a deux jours. Voilà, donc de la part de ma meilleure amie. Elle m'a offert un petit fantôme trop mignon. Donc je vais vous éteindre la lumière. Je vais vous éteindre, bien sûr. On adore le français. Donc du coup, elle m'a offert ce petit fantôme qui s'allume. Et je l'ai appelé Bou. Parce qu'en cette fin d'année, ou début, je n'ai aucune originalité pour les noms. Voilà, tout simplement. Si ça aurait été un dauphin, je l'aurais appelé Flipper. Voilà. Donc du coup, ce petit Bou va se retrouver sur ma table de nuit. Voilà, il est magnifique. Ensuite, cadeau d'une de mes amies. Coucou Anne-Sophie si tu passes par là. J'ai eu... Si vous avez aussi suivi ma vidéo il y a deux jours, j'ai eu un formidable petit jeu à consommer avec modération. C'est le tic-tac-toe. Donc je sais pas, en fait je vais peut-être vous éteindre la lumière. Voilà, peut-être que vous verrez mieux là, sans le reflet. Voilà, donc c'est un tic-tac-toe en mode shooter. Donc en fait c'est le jeu du morpion où il faut boire. Parce que c'est le principe d'un jeu d'alcool. À consommer avec modération. Attention. Mais je l'adore. Pour aller avec ce nouveau jeu, voici le cadeau de moi, pour moi, parce qu'il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Donc pour mon Noël, je me suis acheté un livre. Voilà. Pour une fois que j'achète un livre, hein, c'est bon. Il y a tout le monde qui arrête pas de me tanner pour que je lise. Bah c'est bon, je me suis acheté un livre. Je suis pardonnée, non? Non, sérieusement, c'est un livre avec 500 recettes de cocktails. Parce que j'adore les cocktails. Surtout quand ils sont bien faits. Du coup, je me suis acheté un livre, faire des cocktails. Tu suis? En plus, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour faire des cocktails. Vous savez, l'espèce de shooter et tout. J'ai tout. Enfin, shaker. Shooter. Oui, oui, bien sûr. Shaker et tout ce qui va avec pour faire des cocktails. Donc, bah voilà. Et il y a de tout. Il y a pour tous les goûts. Il y a sucré. J'allais dire sucré, salé, mais non. Oui. Il y en a vraiment plus ou moins sucré. Et puis, il y a tous les alcools aussi. Donc, avec. Il y a pour faire de la vodka, il y a du rhum, il y a du gin, il y a du sky, il y a du Malibu, il y a tout, plein d'alcool. Voilà, du coup je vais pouvoir m'amuser. Enfin si l'année 2016 a été remplie en fiesta, oh là là, mais 2017, je vais pouvoir enflammer mes soirées les gars. Bon, sérieusement, faut savoir rester sérieux un peu dans la vie. Maintenant nous allons passer au reste de la famille, donc je pourrais pas, absolument pas vous dire qui m'a offert quoi, parce que vous savez, les Noëls en famille, bah, y a tout le monde qui vous donne les cadeaux en même temps, donc impossible de savoir qui a offert quoi, parce que tout se mélange. Voilà, mais cette année, je crois que c'est une tante qui m'a offert ça. Je sais plus. J'ai eu un foulard, un beau foulard rose. Voilà, qui est très joli, rose pastel. Mais que je ne pourrais que mettre au printemps parce qu'il fait très froid et que ça tient pas chaud. Après, on va pas se mentir, on a tous eu les traditionnels chocolats. Voilà, j'ai eu plein de chocolats comme chaque année. D'ailleurs, celui-là, je l'ai même pas encore ouvert et j'ai déjà fini deux boîtes de chocolat alors que nous sommes seulement le 2 janvier. Mais voilà. Je me replie dans le chocolat, que voulez-vous que je vous dise? Donc voilà, j'en ai eu plein. Donc j'ai eu des chocobons, des Ferrero, des plein de trucs. Ah, dans la bouboule par contre, c'est pas des chocolats, je crois. Attendez, parce qu'il me semblait que j'avais ouvert ça par curiosité. Non, c'est ça, ce n'est pas du chocolat. Alors là-dedans, nous avons un petit vernis. Donc tout est d'Yves Rocher. Ça sent tellement bon. Donc nous avons un vernis un peu doré. Voilà. Il est super beau. Ensuite, là, nous avons un petit... gel douche. Donc j'adore les formats de poche parce que puisque du coup je ne, pour ceux qui ont suivi, je vivais chez Alex, puisque je ne suis plus chez Alex, je reprends le squattage. Du coup je squatte chez mes potes où je peux. Et du coup les petits formats c'est très 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 pratique. J'adore les petits formats. Ensuite nous avons un baume à lèvres. Donc ça c'est canneberge amande. Je sais pas ce que c'est les canneberges. Canneberger, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, bref, c'est un baume à lèvres. Et nous avons deux dés pour les baignoires. Les baignoires. Pour les bains, forcément, où il y aura une baignoire, du coup. Voilà, en fait, c'est des petits dés qui sentent tellement bon. Ça, j'adore les petits dés de bain, mais j'en ai plein de d'Yves Rocher ou de Sephora, etc. Déjà, ça sent bon. Et ensuite, quand vous mettez dans le bain, ça bubule. Donc, par exemple, vous mettez ça dans votre dos, et bien vous avez toutes les bulles qui remontent contre votre dos. Cette sensation est super agréable. Ça parfume votre bain et ça colore. Donc là, les dés sont roses. Donc si vous mettez ça dans votre bain, bah, toute votre eau sera rose. Voilà. Ensuite, de la part de je sais plus qui de ma famille, j'ai eu aussi ce petit sapin. Je vais vous éteindre encore la lumière. Voilà. Un petit sapin lumineux, parce que j'aime tout ce qui est lumineux. Voilà. Et
Je crois qu'il me reste plus qu'un truc, il me semble. J'ai cette petite pochette où il y a un M dessus. Voilà, pour Maeva, je suppose. Voilà. Enfin bref, et dedans, il y a tout simplement trois vernis. Donc je ne saurais absolument pas vous dire de qui m'a offert ça non plus. Voilà, ça doit être d'autres oncles et tantes ou cousins-cousines par-ci par-là, je ne sais pas. Donc ce sont des vernis de New Look. Donc nous avons un... Donc il n'y a pas de nom, mais on s'en fout des noms parce qu'on va pas les retenir. Nous avons un bleu avec des reflets émeraudes un peu magnifiques. Il est super beau. Ensuite, nous avons un vernis transparent avec plein de paillettes dedans. Donc plein de paillettes multicolores. Et nous avons un vernis gel. Il y a marqué top coat dessus, donc je sais pas. Vernis, gel, top coat. Couleur prune, donc un violet foncé, magnifique. Donc s'il fait top coat, c'est génial, parce que moi ça me saoule toujours de mettre du top coat tout le temps. Voilà, là j'en ai pas mis, ça s'est écaillé. Voilà, note à moi-même, arrêtez de se plaindre. Donc voilà, un vernis prune, magnifique. Donc voilà tous les cadeaux que j'ai eu, il me semble. Oui, de toute façon si j'en ai oublié, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit complètement inintéressante. Parce que je pense qu'à chaque fois que vous me demandez des vidéos sur mes cadeaux de Noël, c'est pour voir ce que j'ai eu en loisir créatif. Sauf que puisque j'ai tout ce qu'il me faut en loisir créatif, je ne demande jamais de loisir créatif. Voilà, c'est pour ça que j'avais seulement demandé des pneus et des plaques d'immatriculation cette année. Voilà, parce que c'est utile. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne serez pas trop ennuyés du coup. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires, vous, ce que vous avez pour Noël et vos bonnes résolutions de 2017. Voilà, simplement parce que c'est la première vidéo de 2017 que je tourne. Donc voilà, j'espère que du coup ça vous aura plu et j'ai hâte de voir ce que vous avez eu, si vous avez passé un bon Noël, que vous avez bien eu tout ce que vous voulez et vos bonnes résolutions. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas pris de bonnes résolutions parce que je n'ai pas envie d'en prendre. Voilà, tout simplement. En tout cas, je fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi pour un prochain tuto. Bisous !